Bonsoir Magali. Alors, nous venons de vivre un moment assez émouvant parce que Magali, vous étiez jusque-là présidente du comité de jumelage Bressuire-Mequinenza et ce depuis 2008. Et vous venez de passer le relais aussi après tant d'années de bons et loyaux services, toujours dans la convivialité et avec l'efficacité qu'on vous connaît, Magali. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif sur toutes les activités que vous avez menées au sein de ce jumelage? Alors, on a essayé de maintenir des relations le plus amicales possible avec notre ville jumelle, Mequinenza, et ses habitants. On a donc participé à des rencontres à Bressuire comme à Mequinenza. On a entre autres célébré les 25 années du jumelage et en 2012 les 30 ans du jumelage. On a fait des échanges, on est allé visiter Saragosse, on est allé visiter un certain nombre d'autres villes autour de Mequinenza et la ville elle-même de Mequinenza avec toutes leurs réalisations récentes. D'accord. Alors, d'autres projets, bien sûr, sont dans les cartons que vous avez déjà initiés, vous avez passé très récemment, ce soir, le relais à Josiane. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu Josiane et la nouvelle équipe? Parce que, bien sûr, Magali, vous restez au sein de ce comité de jumelage, une cheville ouvrière aussi, et puis beaucoup de gens, bien sûr, comptent sur vos connaissances aussi du terrain. Alors, pour la nouvelle équipe, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Alors, la présidente, c'est Josiane. Donc, qui était depuis 2 ans la secrétaire. Elle me secondait en tant que secrétaire et elle va être aidée par 2 piliers aussi du jumelage. Claudette Tri qui est dans le jumelage Espagne depuis pratiquement sa création et Charlotte de Goulet qui vient en renfort, qui sont 2 personnes très disponibles et qui vont bien l'aider. Elle sera aussi aidée par Nadège Marchand, qui est une toute jeune, qui faisait déjà partie du bureau du jumelage ces derniers temps. Et au niveau de la trésorerie, ça sera notre ami Jacques Barranger, qui était comptable autrefois dans sa vie professionnelle, donc qui va très bien s'occuper de la trésorerie et qui sera secondé par Jean-Claude Fillon, qui était déjà notre trésorier adjoint. Alors à cela s'ajoutent d'autres membres du bureau, comme Nicole Béalu, comme Thérèse Guillochet, un certain nombre d'autres personnes qui sont déjà des habitués du jumelage et qui ont déjà beaucoup donné, qui vont continuer à aider, à monter toutes les activités. Très bien, merci Magali. Alors donc il y a déjà dans les cartons plusieurs animations. D'ailleurs vous avez avec bien sûr Josiane mentionné le calendrier pour l'année 2015. De toute façon on vous est très reconnaissante Magali pour le travail, la municipalité mais aussi les Bressuirais pour ce que vous avez pu initier aussi également, toujours dans la bonne humeur et beaucoup de convivialité au sein de ce jumelage. Encore une fois Magali, merci beaucoup pour votre travail et on vous dit hasta luego. Alors Magali, voici, vous êtes aux côtés de notre nouvelle présidente du comité de jumelage Bressuire, Mequinenza. Voilà, donc je vous présente Josiane Cluzeau qui sera à partir de maintenant notre nouvelle présidente du comité de jumelage et qui va nous faire un excellent travail, je n'en doute pas. Eh bien très bien, mais Josiane, vous serez bien épaulée aussi. Hein? Oui, et puis j'espère tenir la dragée aussi haute que Magali l'a tenue. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Madame la Présidente, Josiane, et à très bientôt. Merci.